et elle souffle. En gainage, je garde mon ventre engagé jusqu'au bout. On va se grandir. Et on respire tranquillement pour l'instant avec le ventre à l'inspiration qui se gonfle et à l'expiration qui se relâche. Détendez la mâchoire. Allez, une dernière respiration avec le ventre à l'inspiration qui se gonfle et à l'expiration qui se relâche. Premier muscle important, le périnée. Tout le monde en a un, je vous rassure. On se retient d'une envie pressante. On inspire, on contracte le périnée sans tension au niveau des épaules. Et on expire, on le laisse redescendre. Il est têtu, hein, donc vous inquiétez pas, des fois il redescend tout seul. Sans monter les épaules, inspire, lève. Tu plonges. On serre le centre et on remonte à la fois en vivant. Voilà. Inspire, lève. Souffle, on plonge. On avance sur le tapis, on creuse le ventre. Soit je reste en planche, soit je pose les genoux. J'inspire, j'ouvre les côtes. Expire, on recule, creuse le ventre. Allez, à la force du ventre, on recule, on remonte. Deux fois encore. Creuse le ventre. Restez dans cette position. Essayez d'étendre les épaules. Pointez bien le bassin vers le haut. Détendez les épaules, la tête. Et on va alterner droite et gauche avec les talons. Je pose droite, je remonte. Et gauche. Voilà. Inspire, lève la demi-pointe, le bassin vers le haut. Et expire, écrase. Comme tout à l'heure, on respire, on lève la jambe droite, on inspire. Pose le pied au sol. Si c'est trop dur, vous mettez sur les genoux. Gauche, main sur les genoux. On inspire, relâche bien les épaules. C'est le bassin. Lève, souffle. À la force du ventre, hein, c'est le ventre qui me lève et c'est le ventre qui retient. Force du périnée, je me retiens, je me répresse, je remonte et souffle. Dernier à gauche, inspire et souffle. Maintenant face, inspire, souffle, descend. Je vais attraper mon genou droit, inspire, souffle, j'allonge la jambe et je lève les deux. Si c'est trop dur, hop, je pose les pieds au sol, sinon je m'allonge. J'inspire et j'allonge. On souffle et on redescend. Ceux qui n'ont pas de force, juste vous essayez de décoller et de décoller. Voilà, décolle et repose au sol. Vas-y, pousse avec tes mains au sol. Et tu retiens la descente avec ton ventre. Voilà, appuie avec tes mains. Creuse le ventre. Allez, prends l'élan. Allez, vas-y, monte vers le ciel. Encore un, souffle. Vas-y, souffle. Et redescends doucement. Relâchez, c'est bien. Il y en a qui peuvent aller beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Pour s'allumer. Redescends. Dernier, on reste. Et descend. Pense au bidou. Descend. Deux jambes. Souffle. Il y en a qui peuvent lever. Souffle. Olivier, vas-y, va la chercher. Oui. Et souffle. Si c'est trop dur, pour rester vers le bas. Je souffle. Je vais pousser mon bassin vers l'arrière en creusant le ventre. Je ramène les coudes en avant. J'inspire, j'ouvre, à la force du ventre. Souffle, on creuse le ventre. Comme si on recevait un coup de poing ralenti, poussez le bassin en arrière, le dos en arrière. Voilà, inspire, ouvre. Ouais, ouvre la cage thoracique, expire, creuse le ventre, souffle. La tête à l'intérieur des coudes. Je monte, de l'autre côté, à la force des obliques, j'inspire et souffle. Encore, monte, inspire et souffle. On s'étire, les épaules bien détendues, on creuse le ventre, c'est le ventre qui guide. Et on ramène le dernier. Descends, on ne tire pas sur les épaules, on s'étire. Et reviens. Ok, il nous reste le twist. Je suis face, j'inspire. Je serre mon centre, je souffle, ça part de la taille, je sors ma taille. Je tire mon coude droit vers l'arrière. Je reviens face, écrasez bien les genoux au sol. Et de l'autre côté, souffle. On peut le faire avec les mains au départ sur le genou. Je descends, le pied bien vers l'avant, hein, parce que là, ça ne marche pas. J'étire mon psoas, je reviens en arrière, je peux mettre les mains au sol. Gauche, en avant,
et je reviens en arrière, loin devant. Souffle en arrière. Arrière. Si c'est trop dur, on reste au stade d'avant. Inspire loin devant, creuse devant, souffle arrière. Ouais. Gardez mes petits genoux proches du sol et je vais pousser sur mes mains pour pousser mon bassin en arrière sans le monter. Je suis dans l'étirement et je reviens en avant, les genoux proches du sol, loin devant. Et je recule. Montez le bassin vers le haut. Ça avance pas. On marche avec les pieds. Voilà, sur place. On écrase bien les talons sol. On va étirer l'arrière du corps en posant les talons. En gainage, je garde mon ventre engagé jusqu'au bout. Le dernier. Voilà, on revient passer le respire. On fléchit les genoux comme si on avait un gros ballon. On pousse le dos en arrière, on rentre le ventre. Ouvrez la poitrine, expire, ouvrez le dos. Dernière fois, ouvrez la poitrine, ouvrez les épaules. Souffle, on ouvre le dos, on creuse le ventre, on attrape les mains et on monte les mains vers le ciel. Inspire, on s'étire vers le haut. Encore, encore, montez, montez, montez. Souffle, on relâche. Eh ben, bravo!